Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous montre différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, le logiciel Word. Donc si vous regardez en description, vous avez la liste de l'ensemble des vidéos de la série. Et dans cette vidéo, je vais vous parler particulièrement des exposants et des indices. Et puis je terminerai en vous parlant de manière plus générale des formules mathématiques. Alors les exposants et les indices, ce sont des exceptions à la mise en forme classique d'un texte. Dans une mise en forme classique, on va avoir un texte qui va suivre des lignes, et ces lignes vont se réunir sous forme de paragraphe, et vont composer nos différentes pages. Les exposants et les indices vont faire exception à cette disposition par ligne. Vous allez avoir votre texte de base, et puis les exposants vont être légèrement au-dessus de la ligne de base, en taille plus réduite, et les indices vont être légèrement en dessous de la ligne de base, et en taille plus réduite également. Et Word va nous aider pour faire cette mise en forme particulière. On va pouvoir y accéder directement à partir d'icônes qui se trouvent dans l'onglet Accueil dans la partie Police. Et vous voyez qu'ici, vous avez deux icônes. Ici l'icône d'exposant et ici l'icône d'indice. Donc j'ai noté deux textes et je vais mettre Exp en exposant et Ind en indice. Donc je sélectionne le texte que je souhaite modifier et puis ensuite je clique sur l'icône correspondante. Voilà. Exp est maintenant en exposant par rapport au texte de base. Même chose pour indice. Je sélectionne les caractères que je souhaite modifier et ensuite je les mets en indice. Alors le fait que les exposants et les indices soient en taille plus réduite par rapport au texte de base permet de garder la même interligne dans un paragraphe. Donc si vous les insérez à l'intérieur d'un texte, vous n'aurez pas de décalage entre les lignes de base malgré le fait qu'ils soient légèrement plus hauts ou légèrement plus bas. Alors deux petites précisions avant de continuer. Je vous ai montré comment créer des indices et des exposants en utilisant les icônes. Mais vous pouvez aussi le faire à partir de la boîte de dialogue Police. Vous affichez la boîte de dialogue Police et vous voyez qu'ici dans les effets, vous avez l'effet Exposant ou l'effet Indice. Il suffit de cocher pour pouvoir faire la modification de la même manière que pour les icônes. Et puis parfois quand vous avez des exposants et des indices, vous pouvez être un peu embêté. Parce que regardez, si je souhaite continuer mon texte ici. Vous voyez que j'ai gardé les mêmes propriétés que l'indice. Et ça va me poser problème si je voulais continuer, mais sans être en indice. Alors pour cela, ce n'est pas difficile, car vous voyez que quand vous avez des éléments qui sont un indice ou un exposant, vous allez avoir dans la zone police de l'onglet Accueil l'icône correspondante, ici indice, qui va être affichée de manière particulière, qui va être surlignée. Ça montre bien qu'on applique les propriétés des indices. Et donc, il suffit simplement de retourner sur cette icône et de cliquer pour sortir de l'expression en mode indice. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer les utilisations les plus courantes des exposants et des indices. La première utilisation, c'est dans des abréviations. Alors, en français, il y a plein de façons d'abréger les mots. La manière la plus courante, c'est de n'utiliser que les premières lettres avec un point à la fin. Par exemple, dans un dictionnaire, si vous regardez abréviation, vous allez avoir brève point ça nous permet d'éviter d'avoir à noter l'ensemble du mot. C'est le cas aussi dans l'abréviation de monsieur avec un M point. Attention, en français, c'est pas MR. MR, c'est la version anglaise Mr. Ça c'est les abréviations les plus courantes, mais vous en avez d'autres qui vont reprendre la ou les dernières lettres du mot. Vous avez le cas par exemple pour madame Mme. Vous avez le cas aussi pour docteur Dr. Dr. Vous avez le cas aussi dans les professions juridiques pour les avocats, les huissiers, les notaires, maître ME. Il y a plein d'autres cas possibles. Alors on s'est habitué de manière courante à lire ces abréviations sans modification de mise en forme. Et quand vous avez des outils qui ne vous permettent pas d'avoir des exposants ou des indices, en effet, vous n'avez pas le choix. Mais quand vous avez le choix, c'est préférable d'utiliser dans ce cas-là des exposants. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est normalement comme ça qu'il faudrait présenter ces abréviations. C'est aussi le cas pour l'abréviation de numéro. Vous allez écrire NO et vous allez mettre le O en exposant. Donc, numéro 1 par exemple. Donc l'utilisation de l'exposant est conseillée dans beaucoup d'abréviations. Alors on va avoir le cas dans les nombres ordinaux. Contrairement à un nombre classique, les nombres classiques c'est 1, 2, 3, 4, un nombre ordinal c'est un nombre qui indique une idée de classement. Premier, deuxième, troisième, etc. Je vous ai écrit premier sous forme littérale. Mais si vous voulez l'abréger, vous allez utiliser le chiffre arabe 1, puis l'abréviation ER. Mais vous allez voir, et vous le savez peut-être déjà, avec Word, vous n'avez rien à faire si votre logiciel est paramétré normalement. Parce que dès que vous allez taper une espace après le ER, celui-ci va être mis en forme sous forme d'exposant. Cette mise en forme automatique, ça fait partie des options de vérification qui sont actives à partir du moment où vous tapez quoi que ce soit sur le logiciel. Ce sont les mêmes outils qui vérifient l'orthographe, qui vérifient la grammaire et qui de temps en temps vont nous modifier des mots de manière automatique parce que ça correspond à des erreurs courantes que l'on va pouvoir faire. Par exemple, certains mots que vous écrivez avec un seul M, le logiciel va vous les mettre automatiquement avec deux M ou inversement. Et ici, c'est une modification automatique de mise en forme parce que le logiciel sait que quand on tape les caractères 1, E, R, on est forcément dans le cas d'une abréviation avec un nombre ordinal, et donc il faut mettre le r en exposant. Vous allez avoir la même chose pour l'abréviation des autres nombres ordinaux. Deuxième, donc 2e. Deux Vous avez une autre forme d'abréviation pour deuxième, qui est le 2e accent grave me. Et là aussi, Word sait le reconnaître de manière automatique. Alors cette modification automatique est très pratique, mais il y a certains cas dans lesquels elle ne marchera pas. Et ça sera le cas par exemple quand vous utilisez des chiffres romains pour exprimer des siècles. Si vous parlez du 19e siècle, vous écrivez 19 en chiffres romains, puis un petit e, et là, il n'y a pas de modification automatique, il va falloir que vous la fassiez vous-même. Vous sélectionnez votre petit e, et ensuite vous le mettez en exposant, et tout fonctionne. Alors là, on a vu les cas les plus courants d'utilisation d'exposants dans un texte classique, mais il y a quelques autres cas. Parfois, vous allez trouver, comme ici après exposant ou après indice, un petit numéro en exposant. Alors ça, ça va être le signe d'une référence ou d'une note de bas de page ou de fin de partie. C'est-à-dire un petit texte explicatif lié au terme en question qui va donner une explication complémentaire, voire éventuellement la référence d'une citation. Et là, si je descends en bas de ma page, je vois que pour exposant, j'ai la précision qui va définir ce que c'est, et j'ai fait la même chose avec le mot indice. Alors, les notes de bas de page, vous les avez dans l'onglet référence, et je ferai un jour une vidéo spécifique sur cette fonction. Alors, je vais vous donner un dernier exemple d'utilisation des exposants ou des indices avant de passer aux expressions scientifiques. Ça va être dans les panneaux de direction. Parce que quand vous créez un panneau, vous cherchez à donner la direction d'une ville, par exemple, de la manière la plus claire et la plus simple possible. Et certains noms de villes sont très longs. Donc on va essayer de les réduire pour limiter le nombre de caractères. Et pour cela, on va utiliser à nouveau des abréviations. Et pour indiquer qu'il s'agit d'une abréviation, on va mettre certains caractères en exposant. Alors voilà trois exemples. La roche sur yon Le S en exposant est couramment utilisé pour indiquer sur. Vous avez l'équivalent pour sous. Dans le deuxième cas, vous avez le mot de ferrand de Clermont-Ferrand qui va être abrégé avec FD en exposant, et puis l'abréviation courante de saint ou de sainte, avec st en exposant, ou ste éventuellement. Alors maintenant on va aborder l'utilisation la plus courante des exposants et des indices. Ce sont les expressions scientifiques. En mathématiques, en chimie, en physique, on va avoir besoin d'exprimer des choses de manière bien précise, et on a des codes de représentation typographiques qui vont correspondre. Premier exemple, le cas des puissances. Si vous voulez mettre 4 au carré, le 2, vous allez l'exprimer en exposant. Alors c'est la même chose si vous voulez parler de mètres carrés. Et la même chose avec des puissances au cube, par exemple. Il y a d'autres raisons de mettre des chiffres en exposant, par exemple sur les isotopes. Ici, vous avez en exposant avant le C de carbone, le numéro 14. C'est le fameux carbone isotope 14 qui permet d'effectuer de la datation en fonction de sa décomposition. Du côté des indices, on a aussi des conventions d'écriture courantes. Par exemple, dans la numérotation des variables. Ici, on a les variables A1, A2, A3. Elles vont se différencier par leur numérotation d'indices. En chimie, les indices vont nous permettre d'indiquer le nombre d'atomes dans une molécule. Ici, vous avez la molécule d'eau. H2O, vous voyez que vous avez pour un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Et toujours en chimie, vous allez avoir l'usage des exposants avec des signes plus et des signes moins pour noter la charge électrique des ions. Ici vous avez l'ion H ⁇ avec une charge positive et l'ion O2 ⁇ avec deux charges négatives. Et vous voyez ensuite deux notations pour le fer, avec du fer 2 ⁇ ou du fer 3 ⁇ selon son niveau d'oxydation. Et je vais vous montrer pour finir une expression qui va combiner des exposants et des indices, une formule structurale en minéralogie, il s'agit ici de la tourmaline, j'ai travaillé dessus il y a une trentaine d'années, et vous avez à la fois en indice comme dans une formule chimique classique le nombre d'atomes de la molécule, et vous avez aussi des indications sur la structure locale en exposant entre crochets juste avant les atomes. Alors on le voit, dans le monde scientifique, les exposants et les indices sont assez courants et vont suffire pour des expressions simples. On peut même aller jusqu'à formuler des équations, comme vous le voyez, A2 plus B2 égale C2 ou la fameuse E égale MC au carré. Mais rapidement, quand on manipule des expressions scientifiques, on va se rendre compte que ça ne suffit pas. Et ça, ça devrait par exemple être le cas dès que vous avez à représenter une fraction. Vous n'allez plus pouvoir respecter votre ligne étant donné que vous allez devoir déborder en dessus et en dessous. Heureusement, Word a pensé à nous en mettant à disposition un outil spécifiquement dédié aux expressions scientifiques. Mais ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo de cette série. Abonnez-vous à la chaîne et puis à tout de suite.